Vous êtes prêts pour une journée dans mon assiette? C'est parti! Au réveil, comme d'habitude, j'ai bu 1 litre d'eau. Ensuite, j'ai fini une bouteille de jus d'ananas passion et d'autres fruits. Il en restait 1 demi-litre environ. Au même moment, j'ai commencé à faire tremper toutes ces dattes pour les réhydrater. Vous allez voir pourquoi. Donc, j'ouvre toutes les dattes pour vérifier qu'il n'y a pas d'œufs d'insectes dedans. Ensuite, je les mets dans un bocal avec de l'eau filtrée. Et il faut bien enlever tous les noyaux de dattes parce que sinon, le blender, il va pas aimer. Donc, voici les ingrédients du smoothie. Donc, il y a des bananes mûres avec les dattes trempées et une pincée de cannelle et de l'eau. Voici l'onctueux mélange qui me fait office de petit déjeuner. C'est plein d'énergie, c'est pas lourd du tout et ça ne donne pas du tout envie de boire des stimulants tels que du café ou du thé ou du cacao. Et si vous avez suivi ma dernière vidéo, c'est un repas riche en magnésium. Et c'est tout pour le petit déjeuner. Ensuite, on est en fin de matinée et mon mari Paul avait envie de danser parce qu'il est de bonne humeur ce matin. Il pleut un peu, mais il va quand même partir au travail. Il est courageux et il est fort. Et ça, c'est mes jambes grâce à une alimentation pauvre en protéines, pauvre en graisse et avec du sport à diverses intensités. Ensuite, le repas de midi. Alors à gauche, on a un melon mais exquis. De mémoire, c'est le melon le plus sucré de ma vie. Et à droite, on a des chérimoya, des anones que je me mets à disposition. Je commence par manger le melon pour midi et ensuite je passe aux chérimoya, aux anones. J'ai découpé seulement 2 chérimoya parce que je ne suis pas sûre de combien d'entre elles je vais manger pour ce midi. Ça dépend de ma faim. J'écoute toujours ma faim car avec des aliments physiologiques, hein, pour l'humain, ben on peut écouter sa faim. Et au final, j'ai mangé tout sauf 2 chérimoya. C'est un vrai délice et en plus c'est sain. Aujourd'hui, vu la pluie, je ne suis pas sortie pour faire du vélo, de la course à pied ou de la marche. J'ai juste fait 100 squats et quand il a arrêté de pleuvoir, j'ai fait un aller-retour au supermarché avec Paul pour acheter quelques petites courses alimentaires et c'est tout. Ensuite, pour le repas du soir, déjà j'ai commencé par peser 200 g de riz. J'ai aussi ajouté une carotte et des champignons en début de cuisson. Alors la carotte bien hachée pour qu'elle puisse cuire. Donc des petits morceaux, ça cuit plus vite. Hop, ça boue ensemble avec le riz. Et j'ai lavé les champignons que j'ai hachés. J'ai aussi ajouté un demi-cube de bouillon que j'ai émietté pour que ça se mélange mieux. Et aussi le mélange d'épices que vous voyez ici. Donc du piment avec des épices, du piment doux, du basilic et du sucre. Tout est en train de finir de cuire dans la casserole. Je vais remettre le couvercle. Et c'est prêt! Ça fait un assez grand volume, mais c'est exactement ce dont j'avais besoin pour cette journée. Donc des fruits d'abord, et ensuite des féculents. Donc du plus léger au plus lourd pour une digestion optimale. Et je me suis bien régalée comme d'habitude. Et comme vous le voyez là, j'ai tout mangé. Et en tout dans cette journée, j'ai bu environ 3 litres, comme d'habitude.